Les experts et chercheurs de la communauté scientifique sont réunis à l'école de maintien de la paix à Lunblondembei. Ils vont valider le projet de décision de la création du comité institutionnel d'éthique et de recherche. L'initiative obéit au principe selon lequel tous les projets et programmes scientifiques portant sur le sujet humain doivent être validés par un comité d'éthique. Adama Djimné. Le comité institutionnel d'éthique de la recherche de l'école de maintien de la paix à Lunblondembei est un organe consultatif créé au niveau du Centre d'analyse et de recherche de l'espace sahélo-saharien. Il a pour mission d'évaluer la validité éthique des projets de recherche soumis à son approbation. C'est pourquoi les chercheurs, recteurs, maîtres de conférences, enseignants et autres cadres de l'enseignement supérieur sont réunis pour valider le projet de décision de création du dit comité. Pour le responsable de l'école, les défis de l'établissement exigent de nouvelles approches. La nouvelle vision de l'école est d'assumer un rôle de centre régional et continental de leadership en matière de formation, de recherche, d'analyse et d'apprentissage dans la prévention et la gestion des conflits, tout en devenant un catalyseur de réflexion et d'innovation afin de relever les défis multidimensionnels liés au triptyque paix, sécurité et développement. La recherche est un domaine transversal qui est aujourd'hui touché par l'insécurité et certains participants envisagent des mesures palliatives. Dans le temps, quand il n'y avait pas l'insécurité qui avait occupé le pays, comme au niveau qu'on connaît aujourd'hui, les gens pouvaient aller partout faire leurs recherches. Mais aujourd'hui, je pense que la municipalité doit inclure aussi dans son programme le fait d'appuyer les chercheurs à aller travailler sur le terrain. Pour valider la décision de création du comité d'éthique, le concours et l'implication des représentants de l'ensemble de la communauté scientifique est nécessaire.